Le Grand Prix d'Espagne fait partie intégrante du calendrier de F1 depuis plus de 30 ans, ce qui est parfaitement justifié. Souvenez-vous de toutes les courses mémorables qui s'y sont déroulées. Je pense notamment à la performance inoubliable de Michael Schumacher lors de l'édition 96. L'Allemand y avait décroché sa première victoire pour Ferrari sous une pluie torrentielle. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite qui mènent au premier virage de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles, mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous, entre autres au virage 3, tout en accélération, ainsi que dans le terrible virage à l'aveugle du numéro 9, que certains oseront peut-être passer à fond en qualification. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Leclerc, Lewis Hamilton et Pérez, Norris, Hülkenberg, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo, Ocon, Gasly, Valtteri Bottas et Vettel, Magnussen, Zhou, Lance Stroll et Mick Schumacher, Albon, Latifi, Tao et Yuki Tsunoda. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, bien sûr, se trouve Jacques Villeneuve. Discutons de Williams. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Les pilotes s'élancent pour le tour de formation et il est temps pour eux d'optimiser leur monoplace pour le départ et les batailles qui les attendent dans les premiers virages. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Le travail d'équipe a porté ses fruits, victoire magistrale au Grand Prix d'Espagne. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour.
Examinons l'évolution du classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance. Il creuse encore l'écart au sommet du classement. Donc, Jacques Villeneuve, qui selon vous est le pilote du jour ? Mon vote va à Yuki Tsunoda aujourd'hui. Passons à présent aux constructeurs. Aucun changement dans le haut du classement, mais après les résultats du jour, leurs concurrents se rapprochent. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit.